Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, elle est là. J'ai recraqué pour la FX Stingers 1.10, voiture de street bash et de drift. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je vais bien sûr vous réexpliquer ce que c'est un petit peu ce véhicule que j'adore absolument. Il m'en fallait une deuxième pour pouvoir rouler avec un pote ou avec ma femme en l'occurrence, parce que franchement, elle est hyper satisfaisante à prendre en main. C'est un régal. Les pneus d'origine sont complètement dingues. Le seul petit défaut, c'est, je vais vous en parler dans la vidéo bien sûr, c'est qu'ils s'usent du coup assez vite. Mais bon voilà, au moins maintenant j'ai les deux machines, on va pouvoir s'éclater à deux, à se faire des courses. Franchement, moi, ce qui me maintient en fait dans la RC, parce que je sais qu'il y en a plein qui commencent et après qui arrêtent, parce que soit c'est cher, ou ils n'ont plus le temps, ou ils n'ont personne pour jouer, vu que je n'ai pas de club à portée de main, ou alors c'est toujours... une heure de route, et ben franchement le fait de pouvoir rouler avec quelqu'un, donc ma femme en l'occurrence, ça me fait extrêmement plaisir. C'est complètement autre chose de faire de la RC à deux que tout seul, parce que déjà il y a le challenge de faire des courses, on se suit, on rigole, enfin voilà, c'est excellent. Donc il m'en fallait une deuxième. Et j'affectionne franchement ce modèle, parce que la marque FX, je ne connaissais pas avant d'essayer la Stinger, hein, parce que j'ai la grise qui est là, je vous la montre après. Et j'étais vraiment ultra surpris. Du coup, j'en ai repris une deuxième chez notre ami d'univers RC, Cyril. Je vous mets la description, bien sûr, du magasin, super magasin de passionnés, dans les plus de la vidéo, bien sûr. Et on va tout de suite s'attarder un petit peu sur ce véhicule. Alors, pourquoi déjà il est super intéressant? Parce que, premièrement, vous voyez, donc là, j'ai repris la version rouge. Hein, il y a deux coloris possibles. Le rouge et le gris, donc je voulais bien sûr les deux couleurs. Franchement, si vous dites que comme ça, sorti du carton, ça claque pas, alors je comprends pas. Franchement, la carrosserie, elle est juste magnifique. Elle est super bien peinte, elle est vraiment classe. Hein, le capot en noir, comme ça, les petites poignées peintes, le réservoir, l'aileron, le dessous, super bien. On va en parler, hein, de ce châssis en plastique et même les pots d'échappement à l'arrière. Franchement, excellent. Ils ont même pensé à mettre le petit aileron requin ici pour faire l'antenne. Donc, le seul point que je n'aime pas, c'est les clips de carreau. Après, pour le prix, hein, c'est moins de 300 €. Vous pouvez la trouver. On va pas non plus chipoter. Mais bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de marques qui commencent à faire des innovations pour pouvoir enlever ces clips de carreau. Voilà, bon. Voilà. Sur celle-ci, elles y sont encore, c'est pas grave. On va attendre les prochains modèles, peut-être qu'ils seront plus dedans. Alors, petit tour rapide, avant qu'on aille plus profondément dans la bête. On peut juste faire un tout petit tour du carton. Comme ça, rapidement. Et voilà, donc vous voyez, on a un certain nombre d'informations qu'on a déjà sur le carton. Donc ça aussi, 99% ready to run. Ça, je trouve, c'est excellent pour les gens qui commencent. Et d'ailleurs, il faut que je fasse absolument une vidéo dédiée au RC pour les gens qui veulent débuter sans se ruiner à acheter 15 000 trucs, des chargeurs, des batteries. Ce modèle est livré avec un chargeur et une batterie. C'est pour ça qu'on marque 99% ready to run. Le seul truc qui vous reste à faire, c'est mettre des piles de la radiocommande. Et là, vous avez tout pour rouler, pour vous éclater sans dépenser un centime de plus. 300 €, la voiture, la batterie, le chargeur. La batterie, bien sûr, qui est fournie avec, c'est une 2S. Le véhicule, pour avoir son plein potentiel, il faut l'utiliser bien sûr en 3S. Hein. Elle peut monter jusqu'à les donner à 60, mais en 3S, elle va sans problème à 70 km/h, ce qui est déjà excellent pour l'échelle 1.10. Alors, on a un système radio Etronix 2,4 GHz, 5 canaux. Parfait. Vous allez voir pourquoi 5 canaux, parce qu'on a aussi les fonctionnements des LED avec plusieurs modes. C'est vraiment excellent. On a même les clignotants. On a le châssis qui est en plastique. Je vais vous en parler un peu plus en détail. On va passer cette étape. On a un variateur Obi-Wing, du coup, 60 ampères. Donc ça, c'est très bien. Hein. Donc valeur sûre, variateur Obi-Wing, 60 ampères. Et un moteur Etronix 3652. 3300 kV, ce qui est vraiment un bon compromis, nombre de tours et
couple. Donc pour le moteur, on est vraiment bien. Et pour l'avoir essayé sur l'autre, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. On a le système Giro qui est équipé d'origine aussi. Donc c'est une aide à la conduite. Vous allez voir après, je vais vous faire la démonstration. Je crois que je l'avais déjà fait sur l'ancienne. Mais on peut le refaire hein, quand on aime, on ne compte pas. Bien sûr, donc j'avais dit les quatre roues motrices, on a tout ce qui est diff, transmission en métal, donc ça c'est très bien. Les amortisseurs en alu qui sont réglables aussi, à main d'huile bien sûr. Et tout le kit LED que je vais vous présenter tout de suite après. Donc voilà pour la boîte, on ne va pas s'attarder plus. Hein, donc, ça c'est donc les deux coloris, hein, on le voit, c'est vraiment présente partout sur la boîte, les deux coloris. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette voiture. Je vais aussi tout de suite vous montrer ce qu'on a comme radio avec, même si j'ai déjà fait l'unboxing, ce n'est pas grave, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui veulent le revoir avec la version rouge. Allez, c'est parti, on refait, on va faire ça rapidement. Donc au niveau la radio commande, voilà, on est sur quelque chose de très simple. Vous voyez, on la connaît très bien, hein, cette modèle de radio. Elle équipe de nombreuses marques de RC. Franchement, elle est tip top. Vous avez les boutons déjà, des canaux supplémentaires qui sont au-dessus. Et la petite trappe, voilà, la petite trappe ici d'accès pour faire les trims, pour faire les inversions de sens. Enfin, vous avez à portée de main, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Le seul truc que j'aurais aimé et qui n'ont voilà, qui est toujours pas dessus, c'est d'avoir un volant en mousse, parce que les volants en plastique, franchement, j'aime pas du tout la sensation. Après, la prise de main, elle est quand même bonne, hein. Ce qui est bien, c'est qu'elle est bien grande, donc même pour les grandes mains, vous allez largement avoir de la place, hein. C'est super ergonomique, franchement, pour la radio qui est équipée d'origine. Voilà, le petit volant en mousse. Si quelqu'un par contre a un remplacement de volant en mousse pour cette radio, je suis vraiment preneur, parce que j'ai pas trouvé, j'avais pensé trouver un qui pourrait s'adapter dessus, mais en fait non, ça ne s'adapte pas dessus parce que c'est un peu particulier à l'arrière. Donc si quelqu'un a une mousse à mettre soit dessus ou le volant en mousse en remplacement de cette radio, hein, dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi un lien, je suis super preneur. Ensuite, on a ce chouette petit chargeur, hein, qui est déjà un chargeur relativement puissant. Vous pouvez charger dessus vos batteries 2S et vos batteries 3S. Donc ça, c'est vachement cool, hein, si vous partez en voyage ou en déplacement ou je sais pas, en week-end. Ça vous évite d'emmener plein de matos. Vous avez ce petit chargeur, voilà, qui est là. Il y a bien sûr les prises ici, je crois que c'est les prises américaines ou je sais pas trop quoi, et vous avez l'adaptateur qui est fourni avec, ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr brancher sur les prises françaises ce chargeur. En plus, ce qu'il y a avec, c'est que vous avez fait gaffe que j'avais bien précisé, hein, que c'était une voiture de street bash et de drift également. Donc avec, vous avez fourni directement avec un deuxième jeu de pneus, des pneus pour faire du drift. Donc ceux-là, ils ont la particularité de ces pneus, c'est qu'ils sont durs. Ouais, c'est dur comme du bois. Donc c'est du plastique dur, c'est vraiment fait pour drifter, hein. C'est, faut absolument pas que ça adhère comme les pneus d'origine qui sont complètement à l'inverse, hein, les pneus de bâche qui sont hyper adhérents. Franchement, ça accroche du tonnerre, j'étais bluffé. Par contre, le seul problème, c'est qu'ils s'usent relativement vite. Il faut compter à peu près 34-35 euros pour changer le kit. On va dire ça, ce sera peut-être la dépense que vous allez avoir à faire durant l'année pour changer le... Ça dépend aussi de votre mode de conduite. Moi, c'est vrai que l'essai de la première, je ne l'ai pas ménagé, hein. J'ai fait des belles petites glisses. Et c'est vrai que les pneus sont bien usés quand même pour le premier pack. Donc les pneus durs pour faire du drift, hein, donc ça c'est l'idéal, hein, sur des surfaces glissantes. Je n'ai pas encore essayé, pareil, il faut que je fasse absolument une vidéo où je m'essaie au drift. Je n'ai jamais fait de drift à part du drift volontaire avec les voitures et toutes les voitures, mais vraiment la discipline drift avec des pneus très durs sur une surface lisse où il faut vraiment prendre des longues glisses comme ça, je n'ai jamais essayé. Donc ça va, je vais avoir un grand plaisir d'essayer cette discipline et pourquoi pas peut-être l'adopter aussi un jour, hein.
Parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas rester cantonné à une seule discipline en RC, il faut essayer toutes les disciplines. Et c'est là qu'on rencontre, comme à la Lutz, il y a quelques semaines, j'ai rencontré des gens formidables. Ça m'a, déjà, je commençais à aimer de plus en plus le crawler, mais en plus, le fait de les avoir rencontrés, ça m'a donné encore plus envie d'en faire. Et j'aimerais tellement pouvoir rouler avec eux. Alors, malheureusement, ils sont loin, mais... Voilà, j'espère que dans en Alsace du Sud, il y a quelqu'un qui veut bien s'associer ou vouloir essayer de trouver un terrain pour faire un terrain de crawler tous ensemble. Ce serait juste génial. Alors, ce qu'on a à l'intérieur du sachet, et ça je trouve excellent, c'est qu'ils donnent avec, pour la lipo, vous allez voir, elle est à l'intérieur du véhicule, vous avez un sac anti-feu. Ça, c'est juste excellent. Pareil, vous n'avez même pas besoin d'acheter de sac anti-feu, vous l'avez là. Donc toujours charger vos batteries là-dedans. Même si vous pensez que ouais, c'est pas grave, c'est une petite batterie, là où je suis, ça risque pas de brûler, mais je vous garantis que beaucoup de gens ont pensé ça et ont perdu leur maison, leur appartement. Donc chargez toujours les dipôles là-dedans. En plus, on a avec... Alors ça, si quelqu'un l'a essayé, je suis pareil aussi preneur, on a les barres anti-roulis qui sont livrées séparément, là. Donc ça a monté soi-même si on veut les mettre. Moi, sur le premier essai, le comportement du véhicule était excellent. Donc je ne sais pas la différence qu'il peut y avoir en les mettant ou pas. Donc si quelqu'un les a mis sur ce modèle, dites-moi si vous préférez rouler avec les barres ou sans les barres. Comme ça, ça va aussi me donner une indication. Si je dois l'essayer ou si je le garde juste de côté en attendant. Bon, on va ouvrir cette beauté. Comme ça, je vais vous faire une petite vue détaillée de l'intérieur. Je crois qu'on ne l'avait pas fait la dernière fois, je ne sais plus. Et bien sûr, on va vous faire fonctionner les LED. Donc, à l'intérieur, on a... Donc tout le système, vous voyez, c'est super propre. Hein. Des LED, les câbles sont scotchés, sont bien accrochés. Il n'y a rien à faire. Et justement, on va tout de suite en parler de l'intérieur du véhicule. Vous voyez donc la lipo qui est bien ici en 2S avec une prise DIN. Ça, c'est vrai que c'est un peu discutable encore de nos jours, les prises DIN. Moi, franchement, j'ai jamais eu de souci avec mes lipo DIN. Vous voyez que vous avez le récepteur ici qui est en dehors, qui n'est pas dans une boîte fermée. Il y a une raison à ça, c'est parce que il faut brancher ici, là, je crois que c'est, il y a 5 câbles ou 6, hein, il y a 6 câbles, là, la petite fiche qui vient directement là sur le récepteur. Vous avez la prise qui est prévue pour ça. Donc ça, pareil, faites attention, si vous changez le récepteur, il faut vraiment qu'il y ait un récepteur qui est adapté pour recevoir cette prise avec 6 fils pour commander l'ensemble des LED, à moins que vous en foutez des LED. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il n'a pas été mis dans une boîte. Après, vu que c'est une RC de piste, ça pose aucun souci en fait qu'il ne soit pas à l'intérieur. Un petit coup de soufflette en fin de partie. Et puis c'est parti. Vous voyez, franchement, il y a même le plastique qui a été teinté là, pour donner un effet de vitre teintée. C'est super beau. Les contours ici de porte en noir. Pareil à l'arrière, hein, ils ont vraiment poussé le détail. Et à l'avant, vous voyez, c'est pas. Je crois pas que c'est des stickers. C'est vraiment. Je crois que ça a vraiment été peint. Hein. Ouais, ça a vraiment été peint. Franchement, excellent. Hein. Le fait d'avoir mis le capot en noir mat, ça rajoute un côté esthétique vraiment sublime. Et les petites grilles, là, ça, c'est des autocollants. Donc, vous voyez, au niveau du câblage, hein, c'est super propre. Non seulement il y a du scotch, mais en plus, vous voyez, il y a des petites attaches hein, pour maintenir les câbles ensemble. Donc, effectivement, c'est très court. Donc, soit chaque fois, vous vous amusez à... Non, c'est plus dans ce sens. À venir clipser en dernier... le câble, soit celui-ci, vous pouvez l'enlever de son support pour qu'il soit un peu plus long. Comme ça vous évite d'ouvrir, vous pouvez comme ça ouvrir la carrosserie, laisser la fiche branchée pour pas avoir à l'enlever et la remettre à chaque fois. Donc ça, c'est chacun qui fait à sa sauce. Alors, donc vous avez vu bien sûr aussi dans la pochette qu'on a des jeux de cale pour amortisseurs qui sont livrés avec. Donc effectivement, hein, vous voyez, on a des amortisseurs hydrauliques. Voilà. Mais pour pouvoir les régler, il suffit de rajouter des cales. Alors ça reste une piste, hein, donc vous n'avez pas beaucoup de courses. Moi d'origine,
Je trouve que c'est déjà bien ferme, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas trop, c'est pas trop peu non plus. Je pense que c'est bien, c'est super bien déjà réglé d'origine. Maintenant, si à force de rouler, ça commence à se détendre un petit peu, peut-être qu'on peut rajouter une cale, ou si vous aimez vraiment un comportement très dur, donc le seul désavantage que ça va avoir, vous allez plus facilement prendre de la vitesse. Mais par contre, si c'est plus dur, une fois que la voiture va partir, elle va être moins permissive. Voilà, bon. Ça cuit encore un petit peu, hein, c'est parce que c'est neuf, hein, tout simplement. Donc moi, de toute façon, avant de rouler, je vais mettre un petit produit qui va chasser l'humidité, qui va venir rentrer dans toutes les petites parties et bien graisser les roulements et toutes les pièces en mouvement. Et ce que j'aimerais vous parler tout de suite aussi, et ce que j'adore sur ce véhicule, c'est ce fameux châssis en plastique. Franchement, le fait... Faut pas vous dire que parce qu'il y a un châssis en plastique, ça va être moins bien. Au contraire, ça va être beaucoup mieux. Premièrement, le coût de fabrication, il sera largement inférieur à un châssis métal. Donc, on aura des véhicules à des prix tout à fait corrects. En plus, le poids, il est aussi plus bas. Et si jamais il faut le remplacer, ben, ça coûte moins cher. Et au niveau solidité, je peux vous garantir que là, vous risquez pas de flexer le châssis. C'est vraiment bien foutu. Hein. C'est un châssis qui a été moulé en une seule pièce. Donc, il n'y a pas de vis. Et en plus, il y a cette fameuse renfoncement comme ça au milieu qui va rigidifier tout le châssis. Ça va faire comme si on avait une barre qui rigidifie le châssis. Ils ont super bien pensé le truc. Vous voyez. Même le moteur variateur hein, sont vraiment bien confinés dans leur logement. Donc le seul hic, et ça c'est pareil, il y a plein de marques qui laissent l'axe comme ça à l'air. Alors pour de la piste, ça ne devrait pas être très gênante. Mais c'est vrai que si vous avez des cailloux qui malheureusement rentrent à l'intérieur, ils peuvent venir se loger ici et un petit peu rayer l'axe ou voilà, ou abîmer un petit peu. Il ne faut vraiment déjà pas avoir de chance sur ce genre de véhicule, surtout que la carrosserie... Elle est quand même bien, elle épouse quand même bien la forme du châssis. Donc le fameux petit moteur, hein, 3652 3300 kV, qui fait vraiment le taf. Hein. Il a vraiment une belle pêche, une belle montée en régime. Et le variateur qui est complètement cloisonné là dans ce plastique Obi-Wing, 60 ampères. Donc je répète que ce véhicule peut fonctionner en 2 et en 3S. Pareil au niveau des tourelles d'amortisseurs, on est aussi sur du plastique, mais par contre, vous avez vu une épaisseur quand même ultra conséquente. Donc là, c'est pareil. Hein. Un plastique, un bon plastique d'une bonne épaisseur comme ça, ça va être encore plus résistant ou autant résistant que des tourelles qui pourraient être en alu plus fines, par exemple. Donc là, on a vraiment toutes les pièces qui sont en plastique. Donc si jamais vous devez en casser une, ce qui m'étonnerait, parce que même si vous tapez... Le bumper qu'ils ont mis à l'avant, il est super costaud et il prend bien les chocs. Hein, donc on a une lame plastique en dessous, plus encore la mousse ici, où il y a la carrosserie qui va venir à fleurs. Le fait que ce soit des pièces en plastique, vous voyez, sont faciles hein, d'accès. À chaque fois, quelques vis à démonter pour sortir les pièces ne sont vraiment pas très chères. Par contre, tout le reste est en acier, donc on a les diffs, la transmission qui est en acier. Donc ça, c'est plutôt bien, on a du roulement à billes partout. On a du cardan CVD à l'avant. Les axes de transmission qui sont bien sûr en acier aussi. Donc là, c'est vraiment un montage classique. Pour accéder au diff, il n'y a pas beaucoup de vis à enlever. Hein, je crois qu'il y en a 4 ou 6. Mais par contre, vous êtes obligé d'enlever à l'avant le pare-choc avant et à l'arrière la lame arrière pour pouvoir bien accéder. Et même à l'arrière, je ne suis même pas sûr qu'il faut enlever la lame. Je ne me suis même pas dit, mais ce sera plus facile pour enlever les vis. Donc, on a accès très rapidement aux différentiels qui sont à l'intérieur des cellules. Au niveau du centre, on est sur un spool. On est en prise directe sur le pignon couronne. Pour les véhicules de piste, c'est tout à fait bien. C'est même ce qu'il faut pour du indice. Hein. C'est vraiment le montage classique pour un indice de piste. Un spool au centre et deux diffs, ça suffit largement. C'est pas un véhicule tout terrain, donc on ne va pas traumatiser la transmission centrale. Le fait déjà d'avoir des diffs relativement souples, parce qu'ils sont quand même relativement souples, donc
Votre transmission, elle n'a rien à craindre. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça devrait super bien fonctionner. En tout cas, sur celle-ci, ça fonctionnait à merveille. Donc voilà. Donc on a la petite antenne ici qui dépasse. Hein. Ça ne pose pas de souci. La batterie. Et on a aussi le système de clip. C'est un peu comme Traxxas. Ça, c'est pareil. Hein. Ça se fait beaucoup maintenant, cette petite barre qu'on vient clipser. Parce que c'est pareil, les velcro, ça va un moment, mais c'est comme les clips de carreau, on en a marre. Parce que soit on les casse, soit on les perd, soit on oublie de les mettre. Donc, petite lipo, 2500 mAh 2S. Ça, je pense que ça vous permet de rouler cool. Donc, pour la prendre en main, ça, c'est parfait. Hein. Vous chargez la batterie, vous allez rouler tranquillement avec ça à 40-45 km/h. 2500 kW, par contre, ça va pas vous 2500 mAh, ça va pas vous durer longtemps, donc je pense que 10 minutes c'est rincé, mais au moins ça vous aura permis de prendre la main et après la recharger, de réessayer. Et si ça vous plaît et si vous avez envie de donner plus de patates, plus de puissance, et ben je vous encourage vivement de passer sur une batterie 3S. Même, ouais, même au niveau des câbles du moteur, hein, c'est super bien foutu, c'est bien rangé, ça dépasse pas, il n'y a rien qui dit, là il faut leur laisser, hein, franchement il n'y a vraiment aucun câble qui dépasse, c'est super propre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà essayer de la mettre en route, hein, tout simplement. Donc il me faudrait des piles. Bouquin, il est vraiment sympa, c'est du bon papier. Vous voyez, vous avez vraiment la vue éclatée pour démonter tout, accéder au diff, faire l'entretien, même le moteur. Vous voyez les différentes pièces, hein, qui sont assemblées sur le moteur. Vous avez aussi toutes les fonctions de la radiocommande. Et bien sûr, hein, on ne va pas s'attarder longtemps dessus parce que c'est toujours pareil. Vous avez aussi le catalogue des pièces avec chaque fois la référence. Et ce qui est pas mal sur cette marque, c'est que maintenant beaucoup de boutiques françaises commencent à faire cette marque et ce modèle aussi d'ailleurs. Donc vous allez trouver les pièces sans aucun problème en France et bien sûr en stock. Au niveau de la radiocommande, donc là on a le bouton marche arrière, donc il suffit de rester appuyé dessus tout simplement. Le canal 3 et 4 ici, c'est pour les LED, ça je vais vous faire une petite démonstration après. À l'intérieur, on a ici le trim de la direction, le trim du gaz, et le dual ray de la direction et le réglage de la puissance du véhicule, parce que vous pouvez régler ici directement la puissance. Si vous voulez pas mettre la puissance à fond ici, vous pouvez régler de 0 à 100%. Le canal 5 ici, il est destiné au réglage de l'assistance à la conduite. Donc plus vous allez en mettre, plus le véhicule sera assisté. L'assistance permet vraiment de corriger les trajectoires pour que le véhicule ait un comportement sain et reste vraiment très droit. Après, bien sûr, plus vous avez d'assistance, plus le comportement du véhicule ne sera pas très réaliste forcément. Donc au début, c'est bien de le laisser, mais après je vous conseille quand même de le descendre progressivement et de vous habituer vraiment à la conduite sans. Vous pouvez toujours en laisser un petit peu, hein, ça va vous aider à maintenir des belles lignes droites, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir, c'est assez bluffant, hein, l'aide qu'il y a dessus. Je vais vous montrer après sur l'influence que ça a sur les roues. C'est vraiment pas mal, je crois qu'on en avait déjà parlé dans la première vidéo, mais maintenant, tant qu'on y est, on refait tout. Et vous avez aussi ici des petits cavaliers pour faire l'inversion des différents canaux. Donc, maintenant, on va allumer. Donc là, je viens de brancher la lipo 2S hein, qui était dedans. Vous allez voir que même déjà en 2S, on n'est pas ridicule. Hein. Le frein est vraiment très bordant. Marche arrière à 50%, hein, c'est vraiment du classique. Voilà. Donc maintenant, on va tout simplement regarder aussi les LED. Donc il suffit d'appuyer sur la touche ici pour les allumer. Vous voyez, on a donc les feux avant qui s'allument avec les feux en rouge là qui ont vraiment qui donnent un look d'enfer. Et quand vous tournez, vous voyez, vous avez même le petit clignotant qui se met en rouge. C'est excellent. C'est pareil à l'arrière. Vous voyez, le petit bandeau LED là, ça donne un look. Hein. C'est excellent de rajouter un petit peu de LED dans les véhicules, hein. Il y en a de plus en plus qui le font, mais ça donne un petit côté plus réaliste et c'est franchement cool, hein, quand on roule avec. Donc là pareil, quand on tourne, vous voyez, on a les LED qui indiquent le sens de direction. Et pour éteindre, il suffit de rappuyer dessus et c'est parti. Voilà.
Dernière petite précision aussi, hein, vous avez aussi dans le bouquin, je ne l'ai pas précisé, hein, aussi tous les modes ici par rapport au moteur et au variateur, suivant que vous l'utilisez en 2S ou 3S, et si vous changez la taille du pignon. Et vous avez aussi ici la petite page de programmation pour régler les paramètres du variateur. Donc soit vous pouvez le faire, vu que c'est un Obi-Wing avec une carte de prod classique, Obi-Wing, ou alors vous pouvez le faire directement avec la touche 7, et là il suffit de suivre les indications, et tout est bien expliqué. Bon, c'est en anglais, mais bon, après je pense qu'on peut trouver facilement la notice aussi en français sur internet, mais même en anglais, c'est vraiment pas compliqué à comprendre pour faire le réglage. Donc voilà pour cette FTX Stinger, c'est ça, c'était donc ma première en grille, hein. C'est aussi magnifique. J'ai pas remis les. Je me disais pourquoi ça bouge, mais en fait j'avais pas remis les plus hauts carreaux. Donc si vous n'avez pas de lipo DIN, bah, il suffit d'acheter un petit adaptateur, hein, ça coûte pas cher, vous trouvez ça partout sur Amazon, n'importe où vous pouvez trouver les adaptateurs. On va éteindre. Du coup, je vais pas vous faire l'essai en 3S parce que là, juste pour la faire tourner, je pense que vous arrivez facilement, vous imaginez qu'en 3S ça donne vraiment bien, et les pneus, on les voit ballonner. D'ailleurs, on le voit dans la première vidéo, je vous invite à aller la voir, comme ça vous avez vraiment les comparatifs des deux. Et bien sûr, je vais très rapidement vous faire une vidéo aussi où on va faire rouler les deux. C'est vraiment ce qui est intéressant. C'était le but aussi d'avoir acheté cette deuxième voiture, de faire une course avec. Donc là, on va vraiment pouvoir les exploiter et voir le comportement comme ça quand on se suit. Mais je pense que ça va être excellent parce que elle est très agréable à rouler et prendre en main. Je pense que j'ai déjà dit en début de vidéo, mais ça peut aussi vous rassurer, vous qui commencez peut-être tout simplement dans la voiture de piste, hein, d'avoir un véhicule qui est facile à prendre en main, parce que c'est quand même des véhicules qui sont rapides, hein, ça glisse assez rapidement. C'est toute une autre discipline que le tout terrain, ou même ceux qui sont confirmés, bah, voilà, ça vous permet de pas de vous tracasser. Vous prenez votre voiture d'origine, elle est déjà bien réglée, vous avez tout sur la télécommande, vous voyez, on peut tout régler dessus, même la puissance, l'assistance. Ah oui, c'est ça que je voulais encore vous montrer, c'était l'effet de l'assistance sur le comportement des roues. On va finir par ça et puis on coupera la vidéo, et la prochaine vidéo sera bien sûr une course. Donc, regardez, donc là j'ai mis le bouton d'assistance à fond et sans toucher la direction de la voiture. Si maintenant je veux, la voiture elle va partir, vous voyez comment ça compense quand la voiture part d'un côté, et bien la voiture elle tourne tout seul, tout simplement, pour rattraper la trajectoire et garder une trajectoire toute droite. Donc là c'est vraiment à fond, hein, c'est exagéré, hein, le comportement. Si maintenant on le baisse rien qu'à 50, donc là on est à 50, vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Alors ça aide encore, mais la direction elle est beaucoup plus douce au niveau du comportement. Et quand on met à 0, et ben là, il ne se passe plus rien. Donc l'idéal c'est de le mettre un tout petit peu, voilà. Comme ça vous rattrape légèrement les trajectoires pour que la voiture reste bien droite. Et ça va pas complètement non plus corriger ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc ça c'est pour l'assistance à la conduite. Bon, voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça a été clair pour vous, mes explications, si ça peut vous éclairer sur l'achat d'un tel véhicule. Franchement, voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment un look d'enfer. Donc je vous laisse pour la fin de cette vidéo sur ces belles images de ces deux FTX Stinger, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On va les voir rouler. Il y aura sûrement d'autres vidéos entre, hein, bien sûr. Merci d'avoir regardé et à très vite.